Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour l'ouverture d'un colis de chez Candy Sun. Donc comme tu peux le voir, il est quand même plutôt volumineux. Donc je tiens à le redire au cas où pour ceux qui ne le sauraient pas encore, dans la barre d'infos de toutes mes chaînes, de toutes mes vidéos, tu as un code promo pour avoir moins 5%. Je te l'affiche ici, comme ça tu n'as même pas à aller cliquer sur la barre d'infos. Et sache que tu l'utilises dès ta première commande et tu as moins 5% à vie sur tes commandes. Voilà, toi tu gagnes moins 5% et moi à chaque fois que tu fais une commande, peu importe le chiffre de ta commande, je gagne 1 € fictif que je peux réutiliser sur le site. Pour te donner une idée, vous êtes tellement nombreux à commander que je crois que depuis décembre, je suis à 4,44 €. Et 44 centimes en fait, c'est que quand moi je commande, j'ai aussi de l'argent fictif qui me revient. C'est comme toi aussi, quand tu feras une commande, tu as toujours un petit argent fictif qui te revient dans ta cagnotte et tu peux réutiliser aux fois suivantes. Donc voilà, moi voilà. Et là, j'ai pas dépensé 4,44 €, je te le dis clairement, parce que déjà, il faut un minimum d'achat, je crois, de 10 ou 12 €, un truc comme ça sur le site. Enfin, tu les as très vite. Donc c'est parti, je te remonte vite fait quand même comment ça se présente. Voilà, la feuille qui est tombée, c'est pas très grave. Et j'ai eu donc, à chaque fois on a toujours un petit truc à bouffer en plus. Alors il y a eu un temps où c'était carrément des petits goodies comme des micro-gommes. Enfin tu sais, des petites gommes là en forme de poisson ou quoi. Maintenant je pense qu'ils ont arrêté, qu'ils font plus de la nourriture. Et là ce sont des Kit Kat que l'on peut avoir d'ailleurs sur le site. Donc je te mettrai le lien tout en haut, la barre d'infos de ces Kit Kat. Il faut que je les teste, j'en ai une fois aussi la dernière fois que j'ai fait une commande. A savoir que cette vidéo forcément elle va atterrir sur deux de mes chaînes vu que ça correspond à deux de mes chaînes. Voilà, voire peut-être sur les trois même, ça risque d'arriver. Voilà, toujours est-il parce que en fait ça peut correspondre à plusieurs de mes chaînes, donc c'est pour ça qu'il y a des fois où je poste sur les deux. Voilà, ou sur deux ou sur trois. Enfin sur trois, c'est arrivé qu'une seule fois. Donc, le petit papier pour protéger et on va voir d'abord... Oh, je viens d'apercevoir la truc, c'est trop cute. Bon, toujours est-il que voilà comment ça se présente pour le dessus. Ce sont tout simplement des Umaibo. Et j'ai pris tous les Umaibo qu'il y avait de disponibles. Il m'en manquait deux. Il y en avait deux qui n'étaient pas disponibles le jour où j'ai fait ma commande. Mais je voulais absolument faire la commande le jour même où je suis allée sur le site. Tout simplement pour des gachapons que je vais te montrer juste après. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5... 6, j'ai pas assez de mains donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 Umaibo. Donc on a au total 13 Umaibo, donc je les testerai, je ferai une seule vidéo dégustation au mois de juin. Voilà, ça sera ma vidéo dégustation du mois de juin, je pense. Voire peut-être juillet. Ça dépendra de certains petits détails par rapport à moi et ma vie, entre parenthèses perso. Si je bouge ou pas sur Bordeaux pour aller dans une autre boutique. Mais sinon, ça devrait être la vidéo dégustation du mois de juin. Donc, pour te faire simple, pour que tu puisses savoir avant qu'on déguste ça, les Umaibo, c'est pas très cher parce que ça coûte entre 10 à 15 centimes l'un. Après il y a certains parfums qui sont un peu plus chers. Et en fait c'est comme au niveau de la texture et du goût, entre guillemets, comme les curly. Voilà, les gâteaux apéro curly, c'est du maïs soufflé. Et ça par contre a plusieurs parfums, parfums ou goûts comme tu veux différents. Donc tu peux avoir pizza, hamburger, il y a teriyaki, il y a biscottes sucrées et d'autres trucs encore. Donc voilà, il y a 13 parfums et encore il y en a deux que j'ai pas pu avoir. A savoir aussi que dans les Umaibo, ils ont fait aussi une version chocolat qui est plus un gâteau dessert. Et voilà. Ensuite, je pense que c'est moi qui l'ai glissé, mais je suis pas sûre parce que c'était marqué quoi sur le carton. Ah non, 14 snacks, donc oui, c'est bien ça. Je me suis racheté ceci. Alors non, ce ne sont pas des préservatifs, pitié. Ce sont des awawawawa. Je ne sais plus si c'est les awawawawa ou si c'est un autre mot qui est plus ou moins proche. Parce qu'il y a deux apparences différentes de ces bonbons. Et donc c'est un bonbon au goût soda vu qu'il est bleu. Voilà, et ça j'en suis dingue, donc je m'en suis repris. On va terminer la vidéo avec tout simplement les gachapons que j'ai commandés. Donc comme tu peux le voir, il y a deux tailles complètement différentes parce qu'il y a deux collections. Les petits, ce sont des gachapons Pokémon. Et les gros, c'était vraiment ceux pour lesquels je faisais cette commande. Ce sont tout simplement des gachapons de panda. Voilà, donc c'est une abonnée, c'est Helloui, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube aussi. Je te mettrai son lien en i et en barre d'infos. Qui m'a prévenu comme quoi il y avait des nouveaux gachapons chez Candy Sun. Et surtout que c'était des gachapons panda.
Je peux te dire qu'en une demi-heure maximum, du moment où j'ai vu le message de mon abonné, une demi-heure plus tard, ma commande était faite. Voilà. Je suis juste dingue des pandas. Juste un tout petit peu. Mais tout petit peu. Voilà, voilà. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant la vidéo. N'hésite pas aussi à retweeter quand t'es sur Twitter la vidéo, ça me ferait aussi très plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, je te retrouve donc très vite aussi pour les deux vidéos ouverture de Gachapon. Et je te retrouve donc pendant le mois de juin pour la vidéo dégustation. Sur ce, à bientôt!